Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Et pour nous, ça, c'est, ça tire, c'est de l'argent. Prends ton attaché caisse. Ah oui, oui, j'ai pris ton attaché caisse par balle. Oh là là. Prends la version par balle parce que là, je pense que c'est une grosse affaire. Oui. Oh, dis donc! C'est une putain de zone de guerre, par écoute là, la putain de. Ah oui, bien sûr, bien allez, allez, bien sûr. Par nous connaissons la loi. Nous connaissons la loi. Tu sais, quand la loi nous dit qu'il y a quelqu'un qui. Il faut pas dire. Oui, il pointe alors qu'il y a les policiers juste à côté. Je ne sais pas, mais je crois qu'il pointe un policier maintenant. Il lui dit que c'est une zone de guerre. Je pense qu'il lui dit que c'est une zone de guerre. Et que... Alors, j'ai du mal à comprendre le concept de la police. Oui, bah oui, j'ai l'impression que c'est la police qui est pris en otage, n'est-il pas? Oui, oui, ils ont vraiment besoin d'un avocat. Je pense. Oh, bah, au milieu, la police. On va peut-être partir, non? Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oh là, une explosion. Rentre dans la voiture. Oui. Attends, on m'appelle. Oui, allô. Il est fermé, oui, c'est fermé. Je suis sorti du mécanicien. Voilà. Je peux... Oh, attends. Que se passe-t-il? Attendez, attendez, monsieur, on connaît la loi. Attendez, écoutez, j'ai un problème avec la loi, je reviens tout de suite. Je vous rappelle. D'accord, on peut tout de suite. Ouvrez la portière, Terry. C'est ouvert. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont revenus. Dites donc, on va peut-être juste rester ici. Oui, observons. Alors, attends, observons. Parce que le boîtier de vitesse est vraiment mal foutu. Oui, en tout cas, ça a l'air d'être bien géré. Oui. Allô? Désolé, j'ai sapé à me faire une prise d'otage. Oui, moi aussi. Vous allez bien? Ouais, ça va mieux. Oui, dites voir, que se passe-t-il? C'est possible de se voir loin de la ville. Mais écoutez, ça se passe chez vous, vous êtes concessionnaire. Ah oui, mais moi, non, mais justement, je me suis fait que c'est pas me faire braquer dans la rue. Oui, mais on s'est fait braquer, nous. On s'est fait braquer, oui, monsieur. Oui, mais on connaît la justice. Mais on connaît la loi, vous inquiétez pas, on s'en est sorti. Vous êtes où, monsieur? Là, je me dirige vers le parking central. Oh là là, il y a des. D'accord. Vous avez un endroit, ou après, si vous voulez, j'ai un appartement, si vous comprenez. Écoutez, on arrivera au parking central. Il est vers où le parking central? Près de la place Cube. Est-ce que vous voyez le. Très beau cube. Poste de police. Le sang, oui, oui. Et bah, juste avant, il y a une grande place des cubes avec une banque. Oui, oui. Et bah c'est juste à côté, c'est le parking qui est là. D'accord, on arrive dans pas très longtemps. Je vous attends pour des photos. Alors, de quoi dites-vous, Ben? Oui, le concessionnaire où la prise d'otage se passe actuellement chez lui. Il veut qu'on il parle... Attends, là il était au téléphone alors qu'il est en prise en otage, c'est ça? Non, il est au parking central. Il m'a donné rendez-vous là-bas, il a fait. Regarde, il y a des bandits, qui rentrent de l'autre côté, la police... Mais tu sais, la ville pas forcément belle, hein. Non mais regarde ça, mais il y a l'autre encore là qui va nous tirer dessus. Ah bah dis donc, c'était lui. Il y a tout le monde qui est devant le truc, mais personne n'a pensé à l'issue de secours à droite. La police ne regarde pas l'issue. Est-ce que tu veux peut-être qu'on les tire au courant? Oui, voilà. Monsieur la police. Monsieur la police. Montez, Sterling. Ils n'ont pas l'air d'être réceptifs à mon appel. Oui, ma petite nièce, comment vas-tu? Ça va, il y avait un gros bordel en ville, là, t'as vu? Oui, bonjour, monsieur. Il téléphone. Je suis au téléphone, monsieur, on connaît la loi, il faut pas... Vous inquiétez pas, restez calme, on connaît la loi. Monsieur, on peut pas conduire et parler en même temps. Monsieur? Ils pointent leur flingue à côté des policiers. Il a disparu, il est parti. Oui, ma petite nièce, il vient de se faire braquer, qu'est-ce qui se passe, dis-nous tout. Ouais, j'étais en ville, il y a eu un gros bordel, il y avait plein de mecs de gang et tout trop chelou. Oh oui, ah bah on est dedans là, hein. On s'en va d'ailleurs. Ah bon. On arrive, qu'est-ce qui se passe? Oh bah dites donc, monsieur, vous avez eu un accident? Ça va, monsieur. Et sa mère, ça va, heureusement j'avais mon cas. Oh, vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital, non, monsieur? Non, il avait un casque, il connaît. Oh, vous êtes médecin? Monsieur? Aïe. Vous avez besoin d'aide, monsieur? Peut-être un petit pansement? Ah, je vais aller. Ouais, ça va, j'arrive à. Oui, vous partez à l'hôpital avec la même moto, accidentée? Elle est pas trop accidentée, si. Mais vous êtes accidenté. Mais vous êtes accidenté, monsieur? Ouais, moi je vais aller à l'hôpital, vous pouvez m'arrêter. Ah, bah, ça va alors. Ah, bah, c'est bon. Ouais, alors, vous pouvez aller à l'hôpital, alors ça va. Vous pouvez me ramener ou pas? Ah, on peut vous ramener. Ah, bah, montez derrière, on vous emmène à l'hôpital, oui, ça sera mieux pour vous, monsieur, quand même. Je veux bien. Fermez votre véhicule, c'est important tout de même. Ouais, sa mère. Oui, ma petite fille, je suis désolé, c'est vraiment intense tout ce qui se passe ici, hein. Venez, à côté de toi. Installez-vous. Oh, bah, dis donc. Allez, monte avec nous, Effie. Bah, tu changes de voiture souvent, toi. Bah, c'est elle, Effie. Bah, attends, elle a combien de voitures, ta copine? Oui, t'inquiète pas, c'est pas ma copine.
C'est pas faux, c'est pas faux. Alors je te présente monsieur blessé, oui. On met à l'hôpital. À l'hôpital, ouais. S'il te plaît. Alors messieurs, messieurs, dames, je tiens à vous, je n'ai pas encore le permis. Allez, on y va, on connaît la loi, vous inquiétez pas, on est la justice. Ok. Vous attends, allez bien, monsieur. On se connaît, vous et moi, non? Non, on se connaît pas, madame, vous êtes qui? C'est Daft Punk. Non, en fait, on m'a toujours dit que quand on faisait un accident avec la moto, faut jamais retirer le casque. C'est vrai. Mais c'est ça, ça, c'est aux gens autour de pas retirer le casque. Vous êtes accidenté. Ouais, mais à l'hôpital, je pense, on va me le couper sur le côté avec un truc. D'accord. Comment elle va, ma petite nièce? Bah, après, s'il a pris un accident de bécane, vous pouvez peut-être pas enlever le casque. Réponds à ton tonton, réponds à ton tonton. Bah, ça va, ça va. Réponds à tonton, réponds à tonton d'abord. Ça va, tonton, ça va. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, on s'en fout. Et tu nous demandes pas comment nous on va? Mais parce que tonton, il va toujours bien, je lui ai dit. Vous avez l'air super heureux là, vous deux. Hein. Heureux, c'est. Ah oh, oui, on est là-bas. Parce qu'on a des projets d'avenir. Oui. Et là, on voit qu'ici. On voit que dans cette ville, on a un grand avenir. On a un grand avenir, ma père. Vous êtes avocat? Exactement. Ouais, c'est mon tonton, c'est le meilleur avocat d'Amérique. Au combat, on est deux. Et fille, je suis assez jaloux quand même. Oui. Bah, vous êtes tous les deux, mais mon tonton plus quand même. Oui, combat, c'est bizarre, dis donc, il y a des barrières en plein milieu de l'hôpital. Oui, oui, oui. Bon, monsieur, écoutez, faites attention zone à vous. Zone de guerre, zone de guerre. Et soignez-vous bien, monsieur, d'accord? Ouais, merci, merci. Et n'oubliez pas qu'on est avocat, monsieur. Oui, okay. Les meilleurs. On connaît les meilleurs. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame, au revoir. Monsieur. Passez une bonne soirée malgré ce petit accident. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On s'est fait braquer. Oui, on s'est fait braquer par un homme qui m'a dit c'est une zone de guerre. On lui a donc répondu qu'on connaissait la loi. Et voilà. Et ça a marché. Et ça a marché, il est parti. Il est parti. Il y a un deuxième. Il y a un deuxième. Attends, Effie, je te raconte. Moi, j'ai une question à poser, les tontons et les tontons. Non, il y a qu'un tonton ici, c'est moi. Mais je suis un peu son tonton. Non, tu te calmes. Non, tu es un pervers sexuel que j'ai senti de prison. Dis-moi. On parle pas des anciens dossiers. Alors, première soirée à Los Santos, tonton, ça change de New York. Non, c'est terrible. C'est terrible. J'ai jamais vécu autant de choses comme ça. Est-ce que tu veux que je te dépose au concessionnaire? T'as peut-être besoin d'un véhicule. Oui, t'as besoin d'une auto. Ouais, on dit, hein. Puis on peut peut-être ramasser tous les blessés aussi, non? Allez. De toute façon, ils nous braquent, mais ils nous font rien. Voilà, c'est pas... on connaît la loi. Allez, Starling, il faut s'en occuper maintenant. Faut que je fasse quoi déjà? De GPS. Oh, attention. Et puis, oula, tu crois qu'ils connaissent la loi? Bah, dis donc. C'est un ambulancier. Dis donc, il connaît son métier, c'est un ambulancier. Et bah, dis donc. En tant qu'avocat, Effie, nous sommes très observateurs. Nous disons rien parfois, mais nous observons. Bien sûr. Et j'ai pu observer. Tu sais, Effie, on a vu, mais on a regardé aussi. Voilà, on a vu, on a entendu, on a vécu. Voilà. Et nous constatons, Effie, que tu nous caches quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu nous dis pas, Effie. Et surtout à ton oncle, alors au camp Sterling, tu me connais depuis 5 minutes, ça va, mais ton oncle quand même, tu peux pas faire ça. Mais non, vous en faites pas, ça va. Oui, ah bah si ça va, c'est bon, non mais elle connaît son métier. Je travaille dur en ce moment, et puis disons parce que tout à l'heure on a cru entendre une histoire de cancer et de papa, on n'était pas sûr. Oui, mais ça c'est la vérité, papa. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon ben, un perdu, un tout. C'est pas comme si vous devez 2 millions à un mec d'un cartel mexicain. Pardon? C'était une blague, tonton. Très bonne blague, j'aime beaucoup. Mais on arrête ces blagues-là, on est avocat, on connaît la loi, d'accord? Sterling, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Allô? Oui, bien sûr. On rentre en zone de guerre, bah n'oubliez pas. On rentre en zone de guerre, là. Sois prudent. Garde-toi. C'est encore une zone de guerre, là, ou pas? Oui, sûrement. Il n'y a pas de désodage, ici. On peut sortir. Mon attaché caisse. Attends, mon attaché caisse également. Il est temps d'aller voir ces jeunes malandrins. Oh! Ma petite Effie, que se passe-t-il? T'as besoin de quelque chose? Tu veux un peu d'argent? Et tu crois que ça, on peut en tirer quelque chose ou pas? Attends, parce que là, je suis avec mon tonton, je peux pas à JJ te parler. Je vais peut-être pas lui dire maintenant, hein. On va peut-être attendre un peu. Tu vois, je t'avais dit qu'elle nous cachait quelque chose. Oui, non, mais c'était une évidence. Nous sommes avocats, nous connaissons. Ah, c'est le concessionnaire. Non, ah, j'ai déjà, laisse-moi. Oui, allô. Ouais, j'entends ça en vrai. Oui, nous sommes en zone de guerre, monsieur. Encore. Écoutez, nous finissons de parler à un policier, nous sommes à vous tout de suite. Ok, très bien. Pas de soucis. A tout de suite. Oui, je ne vous oublie pas, monsieur. Je suis l'agent 0. Ouais, à moitié. Non, je ne vous oublie pas. Ah, ok. Hop, j'ai oublié. Bon, on y va. De toute évidence, il n'y a plus grand-chose ici. De toute évidence, alors, par contre, c'est bon, on m'appelle. Oui, vous avez tout en vidéo, monsieur? En poussant le manteau, j'ai été caché dans le buisson juste là. Oh là là, c'est très intéressant, on ça. On arrive immédiatement. Bon, écoutez, là, c'est professionnel. Oui, là c'est vrai. Passez une bonne soirée. Allez, au revoir. Allez, là, ils ont besoin de nous. Oui. On vient pas avec vous? Mais si, tu viens. Allez. C'est professionnel. Ça marche, on y va. Attendez, calmez-vous tous. Je dois sortir à chaque fois du véhicule pour voir si les sièges sont conformes à la loi. Par contre, attention, messieurs. Là, c'est professionnel. Là, c'est professionnel. Le commissariat, s'il te plaît, mon cher Sterling. C'est maintenant, Sterling. Roule. Démarre. Tiens, j'en profiterai pour demander mon permis, Sterling. Oui, bonne initiative. Voilà. Allô? Ça va bien, ma petite Effie? On est en chemin, on arrive dans 500 mètres. Attention. Ça va bien, ma petite Effie? 500 mètres. Ouais, ça va, t'inquiète. Bon, fermez les yeux maintenant. Maintenant, fermez les yeux et laissez-nous faire notre travail. Putain, mais ils sont cinglés dans cette ville, c'est pas possible. C'est une zone de guerre. La dernière fois qu'on m'a dit fermer les yeux, je vais faire mon travail. Oui, mais ça suffit, on fait notre travail. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît, on sait pas qui vous êtes. Mais c'est JJ. Ah,
JJ. Attends, on peut descendre. Pas nous. Bon. Allez, à tout à l'heure, Effie. Ma petite Effie, je te fais des gros bisous. À tout à l'heure. Oui, bonjour, monsieur le concessionnaire. La police a besoin de nous, comme vous avez pu le voir. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, comme vous avez pu le voir, la police a besoin de nous d'urgence immédiate suite au braquage. Je vais avoir un petit peu de retard, je suis vraiment désolé. Mais on peut faire ça un autre jour si vous voulez. Mais avec plaisir. Professionnel. Voilà, très professionnel. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je vous envoie un petit message quand c'est pour vous. On fait ça, c'est bon. À très vite. Ouais. Un gros merci. Bonjour. On fera attention à ce petit. Ça manque de murs blindés ici, dites donc. Oui. Et on va leur en toucher un ou deux mots, hein. Oui, oui, ça va être communiqué. Bon. Ah, bête de rocade. Monsieur, ça va. Emmenez-nous, parce qu'on entend nous. Vous avez du travail. Un petit topo. Volontiers. Oui, volontiers. Alors, un petit café avant. Un petit café avant, pas de soucis. Parce que là, je vais vous avouer que notre journée. Notre journée est rude. Oh, c'est très charmant. Oh, dites donc, ils sont une salle. Il y a plus de café dans la machine à café. Et ben de l'eau. De l'eau avec un tout petit peu de café dedans, s'il vous plaît. Je pense pas que j'ai de l'eau au vent. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Oh, je veux prendre un morceau de cookie là. Allez-y, prenez. Bon, bah attendez, je bois le fond de la tasse. Alors, oui, du coup, je disais petit topo. Oda, Bala, Fabilis, Vagos, Mara 18, Biker. C'est quoi ça? Alors, Fabilis, deux Fabilis, Iron Jackson. Et alors, eux là, ils sont complicité de la Confédération. Et voilà, attendez, je vous emmène, j'ai une urgence. Allez-y. T'as compris un truc? Eh, mais je n'ai rien compris. Écoute, je m'absente, je m'absente mentalement parce que j'ai besoin de repos un petit peu. C'est pas mon trop yoga. Loin. Pas trop loin. Oui, j'arrive, hein. Je trouve un petit biscuit dans le bureau. Toi, moi je trouve une cigarette. Permets-moi de te dire, Sterling, est très très bon ce biscuit. Donc, et ben. Si j'ai bien compris, notre premier cas, notre première affaire sérieuse, c'est tous les gangs. Tous les gangs sont concernés. Ça va être comique. Sachant qu'on s'est fait certainement braquer par les gens qui... Enfin bref. Oh, on leur rappellera qu'on connaît la loi. Note donc ce tweet, Sterling. Oui, c'est noté. 50, c'est qui ce 50? Je note tout. Note donc. Disons, Twitter est une source d'information vraiment... Twitter est très pratique de nos jours. Hein. On l'a sous-estimé très longtemps. Hein. Je crois que la police répond d'ailleurs au tweet. Hein. C'est quand même assez... C'est une belle discussion. C'est un bel échange, c'est une belle histoire. Cooper, est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Actuellement, non. Oui, on connaît la loi, on a toujours d'autres choses à faire, mais qu'il fasse vite. D'accord, très bien, j'entends bien. Ça peut prendre combien de temps à peu près cette mission très importante? D'accord, bah écoutez, bon courage. Vous nous tenez au courant, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de mal. On connaît la loi. A priori, ils sont dans une mission très importante et ils nous ont dit que si on avait autre chose à faire, on pouvait le faire, ils nous recontacteraient ultérieurement. Bon, on va appeler Effie, hein. En cas de galère, oui, elle est toujours là. Tu sais ce qui me manque, Cooper? Oui, dis-moi, mon petit star. De me retrouver devant un juge. Souviens-toi quand on plaidait. Votre honneur, mesdames, messieurs les jurés, veuillez écouter l'histoire de mon client. Victime d'usurpation d'identité, mon client a souffert et a vécu 1000 martyrs. Tu te rappelles de ça? Oh, ce cas était fantastique. Ça t'a bouche bée, a priori. Oui, non, je mâche. C'est très bien que quand je plaide, je suis quand même très impressionné. J'évite de parler la bouche pleine, voyons. C'est tout à ton honneur. Ah, c'est en bas. Ils ont parlé de sous-sol, mon petit Sterling. Oui, mais j'ai cru que c'était un parking tout à l'heure. Ah, c'est un parking. Oh, dis donc, c'est un beau parking qu'ils ont là. Ah, interrogation et observation. Et cellules, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous. Quelqu'un? Bonsoir, ah, bonjour, vous allez bien? Enchanté, monsieur. Comment allez-vous? Yo, j'ai pas demandé un avocat, hein. D'accord, très bien, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Eh ben, dites... Oh non, mais venez, en fait, oui, j'en ai demandé un. Ouais, c'est bien, un avocat. Ouais, c'est bien, un avocat. Venez. Ah, je crois entendre quelqu'un, non? Je crois, on voit... Il y a quelqu'un qui a parlé, non? Ouais, venez. Non, c'est là. Ah, j'ai entendu un. Hein. C'est là que ça a parlé, je crois. C'est là. Oui, venez, bonjour. Venez. Bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Vous avez l'air bien installé, là. Je suis bien installé, exactement. Bon, c'est dites-moi tout. Alors, sachez, monsieur, qu'avant toute chose, nous nous présentons. Nous sommes les avocats Sterling et Cooper, les avocats au gros barreau. Nous sommes là pour vous représenter contre toute injustice et contre tout abus de la loi qui pourrait vous condamner à quelconque condamnation. En fait, je crois que il y a un moyen de vous m'aider, mais je sais pas si c'est possible. Oui, dites-moi. Mais qu'est-ce que vous faites là avec une petite clope allumée dans le cendrier? Dites-moi. Vous avez droit au secret confidentiel et ça, c'est important de vous le rappeler. Bien sûr, c'est notre déontologie. Tout ce qui reste ici, reste ici. Voilà. Le droit que des cops. Ah, on peut rien faire pour vous, passez une bonne soirée, monsieur. Oui, bonjour, non, monsieur. Non, c'est pas bon. Vous allez bien? Nous sommes Sterling Cooper, cabinet d'avocat, nous a demandé. Attendez. D'accord, ok. Vous voulez vous entretenir avec votre client, du coup, je suppose? Voilà. Bah, je ne sais pas si cette personne a besoin de nous, on peut lui demander. Attendez. Attendez. Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin de nous, monsieur? Calme-toi, Cooper, ça va bien se passer. Bah, yo, ça dépend, si tu peux m'aider, oui, si tu peux pas m'aider, non. On peut toujours aider quelqu'un, dites-moi. Ok, alors je t'explique. J'ai voulu braquer sous l'axe. J'ai braqué un cops. C'est quoi Soulax? Qu'est-ce donc que Soulax, monsieur? Soulax, c'est un fils de pute de commandant. Oh! Ah! D'accord. Je note. Ok, en gros, j'avais. Notez, monsieur. En gros. Attendez, je note aussi. M4. J'avais une M4, ok? C'est quoi?
Ah, c'est une arme à feu, ça, n'est-ce pas? Exactement, c'est une arme à feu, c'est une arme à feu. Jean-Monsieur. Oui, mais monsieur, attendez, il est en train de faire des aveux, là. Ça fait longtemps, Soulax. Ouais, non, mais lui, de toute façon, ouais. Il sait qu'il est foncé. Ah, d'accord, donc c'est vous deux, le conflit d'intérêt. Très bien. Donc, je répète les propos, fils de pute de Soulax, que vous vouliez. Sterling, ne note pas ça, je pense que ça ne regarde pas. Non, je voulais pas l'abattre. Je voulais choper Soulax, ça, je l'assume. Écoutez, monsieur, on connaît la loi, on fait notre boulot. On fait notre mieux, monsieur. Donc, dites-moi, monsieur. Donc, vous vouliez le kidnapper, le commandant Soulax. Pour quelle raison, monsieur, si je peux me permettre? Pour une raison. Gratuitement, d'accord. Je note gratuitement. Note gratuitement. Bonjour, monsieur. Oh, bah c'est... Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Non, ça monsieur, on flaquette. Je coupe la radio encore 95. Une fois. Juste, je répète les ordres. Vous pouvez m'appeler Willy. N'intervenez pas encore une fois. Ça va, Willy? Je coupe la radio, j'interroge. Ouais, on est fan de la radio. Sans vouloir vous offenser, messieurs, est-ce que nous pourrions rester avec le prévenu? Ouais, bien sûr. Je rappelle une ou deux choses. Selon notre déontologie, nous ne dirons rien. Rien ne sortira de ces murs-là. Voilà. Évidemment, vous pouvez nous faire confiance. Il va falloir collaborer jusqu'au bout, par contre. Ils vont se mettre derrière, ils vont écouter tout. Non. Mais ils ont pas le droit, ils connaissent la loi. On coupe le micro quand je parle avec les avocats. On peut pas tenir compte de ça. Non, on peut pas tenir compte d'une conversation avec un avocat. C'est quoi qu'ils connaissent pas la loi, monsieur? Oui, mais prenez pour qui? On est en train d'interroger. Vous prenez pour qui? Calmez-vous, monsieur. Je vais péter un câble, Non, mais tu cries sur qui, toi? On est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous prenez la loi. Je vais lui mettre des coups de matraque, mais je vais péter un câble. Non, monsieur, c'est une très belle matraque que nous avons là. Exactement, j'ai pas envie de me la prendre. Bon, monsieur. Oh là, non, s'il vous plaît. Non, pas d'insulte. Donc, dites-moi, on note. Je voulais péter sous l'axe. Je me suis raté, du coup, j'ai braqué tous les cops avec ma M4. Et vu que je suis pas un fou dangereux dans ma tête, j'ai levé les mains. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire la même chose à la police. Bah, c'est ce que je leur ai dit. Bon, écoutez. Non, déjà, pourquoi voulez-vous braquer le commandant? Parce que je voulais lui parler et voilà. Et lui parler de... Vous pouvez pas prendre rendez-vous comme yo, n'importe qui. Yo, non, je peux pas prendre rendez-vous avec ce fils de pute. Parce que faut que je le nique sa mère. Monsieur, prenez en compte une chose. Monsieur, quand vous braquez quelqu'un avec une arme, c'est pas le plus simple pour avoir une communication, voyez-vous. Généralement, vous risquez la mort, des répercussions, voyez-vous. Alors qu'est-ce qui vous fait peur, monsieur? La prison à vie, la mort peut-être, je ne sais pas, dites-moi tout. La mort me fait plus peur que la prison. Parce qu'en fait, en soi, j'ai déjà pris 5 ans de prison. 18. Ok. Est-ce que vous confirmez avoir coopéré quand la police vous a demandé de lâcher cette arme? Oui, j'ai lâché cette arme. Est-ce que vous avez coopéré dès le début? Non, pas dès le début. Vous avez fait entre-temps? C'est ça qui m'a fait entre-temps. Entre-temps, je les ai braqués. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des échanges de coups de feu? Non, parce que je suis pas fou dangereux et je vais pas tuer des l'espédie quand même. Est-ce que votre arme était une... Vous avez quand même braqué quelqu'un avec une arme dans l'espoir de parler avec lui. Ouais, mais tu connais, bref. On connaît pas, monsieur, on connaît que la loi. On est pas sûr, on connaît la loi. On connaît que la loi. Bon, dans ces cas-là, vous l'avez braqué, pour discuter avec cette personne, et vous avez braqué les cops, comme vous dites dans votre jargon. Vous vous êtes donc fait attraper, n'est-ce pas? Et vous avez peur de la prison à vie, c'est ça? Non, je me suis pas fait attraper. Dans quelle mesure, monsieur, J'ai levé les mains. Je vais reposer la question clairement. Dans quelle mesure vous attendez une aide judiciaire de notre part? Monsieur, est-ce que si on plaide la folie, vous pensez que c'est pour notre client à l'heure actuelle, Sterling, ça peut passer? Oui, parce que, écoute, ça se peut, personne parce que, justement... Non, on est en train de parler, monsieur, s'il vous plaît. Yo, attends, je t'explique. Ça peut faire des avantages. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un bracelet électronique, je viens de sortir de prison. Ok, donc on peut plaider peut-être la folie. Est-ce que vous avez fait du mal à une personne, monsieur? Il va falloir de la franchise. Est-ce que vous avez agressé une personne physiquement qui porte une atteinte à son physique? Non, est-ce qu'on peut avoir accès à son casier judiciaire? J'arrive pas à le dire, ça. C'est pas facile. Alors, vraiment, t'as beaucoup à lire, je crois. Bon, de toute évidence, vous êtes un récidiviste. Monsieur, est-ce que vous avez déjà fait un stage dans un hôpital psychiatrique? Non, j'ai déjà fait un stage dans l'hôpital. Mais psychiatrique. Que vous avez vu un médecin? Est-ce qu'on pourrait demander à un médecin psychiatre d'ailleurs pour ausculter notre patient? On peut demander à beaucoup de gens. Je vais demander ça aux policiers. Est-ce que d'après vous on peut plaider la folie pour réduire votre peine? D'après moi tu peux plaider ça. Et est-ce que vous êtes capable de faire le fou? Tu veux que je fasse le fou? Non, calmez-vous monsieur. Voyons, pas ici. Parce que si je fais le fou, je l'attrape sous là que je l'étrangle devant toi. Ah mais il faut pas faire ça monsieur, voyons. Il faut pas faire ça. Je sais pas, tu me dis de faire le fou. Non mais oui, mais là le but c'est que vous sortiez peut-être un jour. Yo, tu veux que je dise c'est un renard qui m'a dit de braquer sous l'axe? Si vous voulez, c'est un renard. Mais j'ai déjà dit aux cops, c'était qui? C'était qui? C'est qui? J'ai dit que c'était des mecs cagoulants. Oui, on a eu des infos. Et c'est qui a voulu qui vous a demandé ça? Dites-moi. 95. Je sais pas c'est qui. Monsieur, vous voulez entrer? S'il vous plaît. Ouais. Est-ce que ça serait possible de voir... Au casier judiciaire. Non, oui, calmez-vous. Pour voir... comment ça s'appelle un psychiatre. Psychiatre? Oui, pour notre client. Ouais, bien sûr, mais vu là, on me sera demain. Demain, le psychiatre, d'accord. Je note, tu le notes, Cooper, note-le. Oui, c'est noté, demain. Très bien, d'accord. On a besoin d'un peu plus de temps avec notre client, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Et après, on aura besoin du casier judiciaire de monsieur, mais bon, on verra dans d'autres mesures. Ouais, ça marche, un peu de soucis.
commencez déjà à discuter avec votre client, voir ce qui s'est passé de votre côté, de votre travail. Bien sûr. Oui, c'est, excusez-nous, c'est la seule personne interpellée ce soir. Non. Très bien, très bien. Ils sont 4 en tout. 4 en tout. Est-ce qu'on peut tous les réunir, peut-être? Négatif. Non, bien on sûr. Va devoir, mais oui, non, c'est un limite, ça faut pas. Ça va être après, long, ça va être long, c'est après, pour ça. Après, en soi, moi je me suis fait péter avec deux de mes gars. Négatif. On ne parle pas, les clients, enfin vos clients. Ah, il a raison, il a raison. Oui, le monsieur on ne communique pas, oui, bien sûr. Normalement, il a raison, les cops, c'est tous des fils de pute. Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous, ça va pas aller. Non, vous n'avez rien entendu, monsieur. Vous n'avez rien entendu, monsieur. Mais il n'y a pas de souci, laissez-le parler. Il voulait dire un fils de flûte. La flûte, la musique. Il aime beaucoup la musique. Sa mère, elle aime la flûte. Notre client est sous tension, c'est normal, vous savez, avec ses murs, un citron. S'y rapprocher, ça a tendance à l'énerver. La donc, couleur bleue énerve. La couleur bleue énerve. Il dit des choses qui sortent un petit peu de son contexte, monsieur. Alors regardez, vous voyez, c'est rien, c'est mental. Monsieur. Je vais tous vous assassiner. Bon, voilà, tout non, c'est, vous n'avez rien entendu, monsieur. Monsieur, faut partir maintenant, monsieur. Laissez-moi. Non, il faut y aller, il faut y aller. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ouvre la porte. Allez, monsieur. Attendez. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Il commence à me faire peur, monsieur. Sortez les menottes, peut-être. Je ne sais pas. Monsieur, l'agent. Non, je vais tous vous assassiner. Monsieur, faut faire quelque chose. Allez, asseyez-vous, monsieur. Si tu veux pas que je te fasse danser la salsa, fils de... J'aime beaucoup la salsa, personnellement. Il chante très bien, en attendant. Il chante très bien, il a des petits problèmes, à mon avis. Je pense qu'il est maniaco-dépressif. Il est maniaco-dépressif. Je pense qu'il est possédé, moi, personnellement, mais bon. Oulala. Allez, voilà. Chose. Il s'est passé. Ferme-la ta gueule, toi. Keeper, Cooper, mets-toi devant moi, s'il te plaît. Protège-moi. Je vais me permettre de m'asseoir en face de lui. Bon, bah écoutez, monsieur. Tu veux pas que je te mette avec la gueule, là, tu te calmes. Eh, tu veux pas me faire ça va aller, ça va aller, monsieur policier. Je note, calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous, monsieur policier, ça va s'arranger. Justement, si vous voulez pas que je rajoute sur le rapport en plus menace à agent de l'État, donc calmez-le, s'il vous plaît. Oui, on va faire de notre mieux. Oui, on va faire de notre mieux. Mais il est sous tension. Mais il aime pas les policiers, donc ça sert à rien de. Il y a pas de souci. Bref, comme je dis pour le psychiatre. Il a raison, là, j'aime pas les cops. Pour le casier, on verra ça demain. Faites votre travail ce soir. Et à mon avis, il sortira pas de. Parfait, il y a 50, ça va Dracula? Calmez-vous. Ça va. Ah, vous êtes le célèbre 50. On aura besoin de vous parler après parce qu'on a vu des. On devra vous parler. Oui. C'est le seul et unique fils de pute de la police. Ah, bon, calmez-vous, voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Non, ça sert à rien d'insulter les policiers. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit que c'était quand même monsieur Soulax, donc là, vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, oui. En fait, il y a deux fils de pute ici. D'accord, ok. Donc, bon, c'est noté. Tu as noté. Je le note. Deux fils de pute. Notez-le. Monsieur les agents, pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, ça va calmer. Avec fils de pute en majuscule, hein? Oui, c'est noté. Voilà, c'est fait. Allez, on vous laisse. Allez, big up, 50 ans. C'est très bizarre, là, quand même, Sterling. Sterling, j'ai 50, c'est ce qu'on raconte. Mais derrière, il a ramassé le sang, une fois qu'il est parti en fédéral. Protège-moi. Oh là, voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. Au bout d'un moment, protège-moi. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe là. C'est hors dehors de la loi, ça. Oh là. C'est en dehors de la loi, ça. Je ne sais pas ce qu'on est en train d'assister. Ça ne nous regarde plus. S'il vous plaît. Oh, dis donc. Bon, on va attendre un petit peu ici, d'accord? On va voir que notre client. Il y a peut-être un autre client qui a besoin de nous. Oui. Je sais que c'est pas dans notre habitude, Cooper, mais je crois qu'il faut savoir perdre parfois, il faut savoir perdre un cas. Oui, dites-moi, monsieur. Non, vous n'avez pas perdu le cas, vous allez garder avec lui. Regardez, il est très gentil, très mignon. Il est un petit peu bizarre quand même, non? Le faire tomber. Ah, il faut le. Donc, vous voulez un avocat ou c'est lui qui a besoin d'un avocat? Écoutez, faites-le tomber. Pour l'humanité, pour le peuple. Ce mec-là. Attendez, j'ai pas compris. Quelle immunité? Ce mec-là. Le terrorisme et réclame le terrorisme. Il est en complicité de terrorisme avec une grosse organisation terroriste. Tout va trop vite. J'ai beaucoup de choses à noter ce soir et bougez pas. Alors, quel est le groupe terroriste en question, monsieur? Dites-moi. Je peux pas vous donner le nom par confidentialité, mais c'est un groupe terroriste qui. Ah oui, mais on a besoin de. On est avocat. On est avocat, on connaît la loi, ça reste entre nous. Avocat ou pas avocat, ces informations sont classées secrètes et malheureusement, tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il y a une association malfaiteur. Attendez, monsieur, je vous rappelle la loi. La loi est claire. En tant qu'avocat commis par notre client et que toute l'affaire dans laquelle il est concerné, les instructions du juge doivent nous être données. Donc en fait, on a droit au secret. Nous avons une déontologie, messieurs. Voilà, déontologiquement. Ce qui reste entre nous, mais on doit savoir. Juridiquement, tout le dossier concernant notre client doit nous. Sterling Cooper. Attends, petite question, vous êtes des commis d'office ou c'est des avocats appelés par votre client? Ça change rien, monsieur. On a été appelé par le commissariat. Attendez, commissariat.
ça change tout à fait parce que oui, le commissariat fils peut être sous secret professionnel. Par contre, n'importe qui peut prétendre être avocat aux États-Unis. Donc ça change clairement la donne. Ah non, nous sommes commis d'office. Non, monsieur. Voilà, c'est non. pour ça au commis d'office, ok, y a pas de souci. Non, dans ce c'est le commissariat qui nous a appelé et c'est le client qui avait okay. besoin de nous. Voilà. Ok, parfait. Dans ce cas-là, on est plus tolérant là-dessus. D'accord. Donc dans tous les cas, il nous faut connaître toutes okay. les. Ok. Non, j'ai pas compris. Sterling. Monsieur Sterling et Monsieur Cooper. Maître Sterling et Maître Cooper. Tu es à quel cabinet? Sterling Cooper. Bah Sterling et Cooper, monsieur. Bon, monsieur, okay. Vous êtes là pour nous juger nous ou vous êtes là pour faire avancer la loi? Calme-toi, Cooper. Calme-toi. Je non, comprends mais bien écoutez, que... Monsieur Sterling, j'ai l'impression qu'on perd notre temps alors que le commissariat nous appelle. Écoutez. On a passé une soirée de merde, d'accord? On s'est fait braquer. Et nous alors? Oui, mais et nous? Écoutez-moi. Il y avait des blindés qui nous ont tiré sur la soirée. On a sauvé des otages dans tous les coins de la ville. Donc commencez pas à nous briser les couilles, d'accord? On est là. Pardon. Calme-toi, Sterling. On fait notre travail comme vous faites le vote, donc baissez d'un ton. Puis tout à l'heure, on est gentil. Mais personne ne lève le ton, monsieur. C'est vous qui l'avez levé. Oui, non, c'est vous qui commencez. Donc là, je vais reprendre, je vais parler très calmement. Mais Sterling, c'est le commencez monde à l'envers pas ici. À lever le ton. Je note. D'accord. Oui, note. Parfait, notez monde à l'envers, y a pas de souci, mais en faites votre travail, on va faire la note. Basta. Bonne et voilà, c'est pour monsieur. Ça que je vous demande de coopérer et de nous donner le nom du groupe terroriste en question. Ça compte, faites ce que vous voulez, si vous le capitaine. Ah, vous êtes capitaine, monsieur. C'est vous qui allez prendre en charge l'affaire ou pas du tout? Écoutez, le commissariat nous a. Écoutez, on a été convoqué. Donc, on fait notre travail, on essaye du moins de faire notre travail, monsieur. Vous êtes okay, le capitaine. Okay, très bien. Donc, si je vous demande de quel cabinet vous venez, etc., vous prenez le temps de me répondre. Non, vous ne pouvez pas. On a répondu, Sterling Cooper, monsieur. Ok, voilà, très bien. Maintenant, moi, je veux m'assurer que vous êtes présenté au gouvernement pour être officiel, ok? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps et demain, à logement et de me dire ah non. Alors. Monsieur, il peut pas exercer. Je me permets de vous couper parce que nous avons discuté avec le commandant, monsieur Soulax, oui. qui a dit et qui a donné l'ordre à la radio que monsieur Sterling et monsieur Cooper étaient des avocats commis d'office. Donc le message a normalement dû être passé à tous les agents. Et vous monsieur, à droite, avec ce petite barbe de 3 jours, très sexy, vous normalement avez entendu je ça. Je le note. Note-le, Sterling. Très bien. Donc vous serez là demain. À quelle heure? Demain, ou après-demain, ou après-après-demain, après-après-demain, oui, ou après-après-demain. Oui, on sera là. Nous sommes dans cette ville. Et vous êtes activement à votre poste d'avocat? Parce que nous, on est moi... nous sommes avocats à plein temps, monsieur. Écoutez, ce que j'ai à vous proposer... Demain, vous ne dites pas à quelle heure. D'accord, voilà. Vous prenez le service d'avocat. Oh, écoutez... Nous connaissons notre métier. Écoutez, l'après-midi, on peut, nous sommes disponibles, et nous pouvons tard le soir, je dirais, à partir de 1h du matin, par exemple. Ok, 20h20, vous pouvez? Non, il a dit 1h du matin. L'après-midi ou à 1h du matin? Ah ouais, c'est... Coup, pour le jugement qu'on voulait faire. Ah bah par contre, est-ce qu'on peut faire ça dans ces cas-là vendredi à 20h? Oui, vendredi 20h, ça peut... J'ai une question pour vous, vous voulez faire de la téléconférence? Ça se passe comment? Je sais pas, mais pour les jugements par exemple, parce que vous savez que les jugements, vous devez être présent, et les jugements en général, c'est entre 20h et 22h. Oui, mais c'est pas le jeu. Oui, mais bah, il y en a pas tous les jours non plus, les jugements. Oui, voilà. Ah, je suis d'accord. Donc est-ce que vendredi 20h, ça vous va, messieurs? Quel jour on est? Pas plus que ça.